All rise. Veuillez-vous lever. Please be seated. We'll use the swap. Je vais donner la parole à la défense pour qu'elle continue. Merci, Madame la Présidente. C'est Maître Barouan qui va continuer. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, il m'est difficile de passer sur l'intervention de la représentante légale des victimes, tant elle déforme l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, cette histoire va vous être racontée plus tard, mais il me faut retenir certains points que je voudrais soulever avant d'arriver à cette vraie histoire. Elle a parlé de la discrimination qui serait le fait de M. Laurent Gbagbo. Je pense qu'elle n'écoute pas la presse internationale qui se fait l'écho de la politique de rattrapage. Le mot est de M. Alassane Ouattara. Et cette politique consiste, par lui-même ses propres explications, à nommer des djoulas à tous les postes parce que les djoulas auraient été lésés. M. Alassane Ouattara, son parti s'appelle le RDR. Et le premier groupement politique qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qui s'appelle le Front républicain, regroupait le FPI, dirigé par M. Laurent Gbagbo, et le RDR, dirigé par M. Alassane Ouattara. Et les deux ont parcouru toutes les villes et les quartiers d'Abidjan pour faire des meetings ensemble. C'était en 1994. Et en 1994, M. Laurent Gbagbo, qui était député, n'a pas voté la loi électorale. Il est important de le savoir. Pour le reste, je renvoie aux développements qui vont être faits plus tard, mais je voudrais dire un mot sur les slogans qui semblent être les chevaux de bataille, aussi bien de l'accusation que du représentant légal des victimes, qui sont « on gagne ou on gagne » ou « devant ses maïs ». C'est vrai, peut-être qu'un Ivoirien aurait dû expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais « on gagne ou on gagne » est un slogan commun en Côte d'Ivoire qui est chanté partout, les manifestations où il y a candidature. Et je voudrais relever que celle qui en a fait une chanson, Antoinette Alani, a été celle qui a animé la campagne électorale de M. Alassane Ouattara lors des dernières élections. C'est maïs. Aussi, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec les planteurs de maïs. Et si on est en Côte d'Ivoire, on saura que tout le monde a un champ de maïs. C'est une nourriture de soudure dans tous les groupes de Côte d'Ivoire. Et donc, ces maïs ne renvoient pas à un groupe, mais renvoie à la céréale, qui est quelque chose de mou. Et c'est pour ça qu'on parle de ces maïs. Après, c'est quelque chose, je voudrais revenir sur la question des victimes, parce que c'est une question douloureuse qui touche beaucoup les Ivoiriens. C'est une question qui a une très grande importance dans ce pays, que depuis 2002, de nombreuses associations de victimes se sont formées. Des femmes se sont même regroupées en associations autonomes des femmes violées pour mieux révéler au monde leur opprobre. Je peux signaler aussi que les différents gouvernements de M. Laurent Gbagbo ont même manifesté, leurs préoccupations pour les victimes en mettant en place des directions ministérielles exclusivement chargée de la question des victimes. Malheureusement, ces structures ont disparu en 2012, mais hélas,
Les victimes, elles, continuent de demeurer encore une réalité dans le quotidien des Ivoiriens. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, il importe, au moment où vous vous penchez solennellement sur un pan infime, je dirais, du drame de Côte d'Ivoire, que quelqu'un au moins de Côte d'Ivoire rappelle au souvenir ces victimes qui continuent de gémir et de soupirer en ce moment même où on traite des charges tirées de la situation en Côte d'Ivoire. Ces victimes qui espèrent, parce qu'avec la CPI et pour la première fois, la justice pénale internationale, cette lueur, je dirais, dans les ténèbres d'une civilisation de plus en plus violente, fait une place dans l'arène internationale à ses victimes. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, puisque votre saisine ne part que de septembre 2002, je voudrais vous dire que depuis l'atroce nuit de septembre 2002, dont le procureur vous a peu parlé, les victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine, il en est tombé en Côte d'Ivoire et continue de tomber. La représentante légale des victimes vous l'a dit, et je le répète, ces victimes ne tombent malheureusement pas seulement sur les champs de bataille militaire, mais la plupart du temps, hélas, elles tombent dans les activités de maintien de la vie humaine. Qui, dans son sommeil, qui, sur ses buts d'ignames, dans son champ de maïs ou de champ de mil, qui, sous ses cacaoyers, qui, cueillant ce même maïs pour le casse-croûte de l'après-midi, qui, dans sa rizière, qui, dans le recueillement, c'est vrai, d'une mosquée, ce n'est pas dans les mosquées seulement qu'on a tué en Côte d'Ivoire. On a tué dans les églises, on a tué dans les buissons. Ils sont morts des imams, mais ils sont morts aussi des prêtres, des pasteurs, des danseuses d'Adjanou, ces femmes qui font le rite traditionnel. On a tué aussi des gens en famille, autour de feu, dans des cases de pisée. Toutes ces victimes, Madame la Présidente, je n'entends pas faire de la rhétorique. Elles crient, ces victimes, et leur cri ne parvient pas jusqu'ici. On ne sait pour quelle raison. Peut-être parce qu'elles sont victimes des crimes qui ont été commis au moment où la communauté internationale ne s'en souciait pas, ou parce qu'elles sont victimes de crimes qui ont été commis par des gens qu'on ne veut pas avoir accusés. Oui, mais non. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, je n'entends pas faire de la rhétorique. Dans mon pays, je suis défenseur des droits de l'homme. Et au cours de ma vie professionnelle comme de ma vie sociale, je n'ai cessé de m'intéresser aux victimes, d'essayer de les aider. C'est ainsi qu'avec des amis et quelques autres personnes de bonne volonté, de tous les niveaux, de tous les statuts sociaux, nous avons formé des structures qui nous permettent d'aider les victimes de toutes les atrocités qui ont été commises dans le pays, au moins depuis septembre 2002, notamment les femmes et les enfants. Je sais donc de quoi il s'agit. Et les violences électorales et post-électorales dont vous parle le procureur ne sont qu'un moment de crise et d'une crise ininterrompue, d'une ingérence étrangère permanente et d'assauts répétés subis par l'État et par le pays. Les premières victimes en sont, bien entendu, les partis civils et les populations civiles. Ces populations auxquelles l'espoir est revenu lorsqu'elles ont entendu dire que votre coup traiterait de la crise ivoirienne en partant des événements de 2002. Le procureur vous parle d'au moins 3 000 morts pour la période post-électorale. Hier encore, il vous indiquait que le chiffre donné dans son document n'était que conservatoire
et vous avez entendu la représentante légale des victimes. Imaginez donc ajouter à tout ce monde le décompte si on le faisait depuis 2002 avec les victimes directes, ces dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés et d'exilés. Toutes ces personnes mutilées, atteintes dans leur chair et dans leur âme, tous ces enfants qui ont perdu le chemin de l'école et celui des airs des jeux, toute personne qui crie sans se faire entendre depuis plus de 10 ans. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, toutes ces personnes nous regardent et nous observent. Ils nous observent avec une vigilance d'autant plus grande que les victimes ne se distinguent pas. On ne peut pas distinguer les victimes les unes des autres. Vous vous en doutez, et on a eu l'occasion de le démontrer aussi bien l'accusation que la représentante légale des victimes. Il n'y a pas que ces quelques victimes dont on vous a parlé. Il y a des dizaines et des milliers d'autres. Et toutes ces victimes, la souffrance les réunit, cette même souffrance qui fonde votre intervention. Toutes ces victimes, toutes les victimes de Côte d'Ivoire ne comprendraient pas que je reste insensible et silencieux sur la question des victimes. Dans leur entendement, on ne peut se dire de Côte d'Ivoire, dire aimer ce pays et rester insensible au sort des victimes que la perfidie et la cupidité continuent d'y faire. On ne peut pas rester, en venant de Côte d'Ivoire, insensible à la question des victimes. Oui, on ne peut pas rester insensible à la question des victimes en Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit des victimes d'un pays balafré et divisé de façon factice, d'une Côte d'Ivoire où le Nord est en fait et dans les faits une réalité au Sud. Je suis moi-même cette réalité. Et mon cas n'est pas singulier. Ce sont des millions d'Ivoiriens qui se retrouvent dans ce schéma bien simple et coutumier, celui des Malinkés, donc de ce groupe communément appelé les Djoula, qui vient s'installer dans le Sud forestier et polygame pour la plupart du temps, va donner à ses enfants des mères venues de presque toutes les régions. Oui, mon père est venu de Malinké, du pays Malinké. Son village, c'est Mininyan. C'est à l'extrême nord de Côte d'Ivoire. C'est même à la frontière avec la Guinée. Mes cousins même disent que nous partageons avec la Guinée des bas-fonds. Il est descendu dans le sud forestier, à Saint-Fra, dans le pays Gouro. Et je suis née d'une mère qui est venue du pays Bété. Mon père nous a donné d'autres mamans qui sont venues des autres régions, Baoulé, Djoula, Guéré. Et moi, je suis descendue à Abidjan où je vis depuis des décennies. Mininyan, mon Faso, comme nous disons en Djoula, je ne l'ai vu que seulement en 2010 et encore à l'occasion d'un déplacement professionnel. Cette vérité qui est la mienne est celle d'innombrables enfants de Djoula pour qui le Faso est un peu comme un lieu mythique parce que la plupart du temps, nous ne connaissons pas nos villes d'origine. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité qu'on cache et qu'on veut cacher pour correspondre aux clichés nord et sud. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nord musulman et de sud exclusivement chrétien. La raison est simple. Parce que nous, les originaires du septentrion ivoirien, nous sommes tous au sud où nous prospérons depuis des décennies dans la paix. C'est ce qui explique d'ailleurs que je n'ai connu si tardivement mon Faso Mininyan. C'est ça. Et c'est pour ça
que les victimes de Côte d'Ivoire comptent beaucoup sur vous parce que la lutte contre l'impunité ne se divise pas. Il ne peut y avoir de bonnes ou de mauvaises victimes. Une victime est une victime. Et l'égalité devant la souffrance exige la même provenance pour toutes les victimes. Une provenance qui exclut toute distinction basée sur le groupe ethnique, sur la nature ou le mode de mort ou de violence, sur la religion ou le camp, sur les points cardinaux. Pour les victimes, la souffrance n'a ni nord, ni sud, ni est, ni ouest. Pour les victimes, c'est seulement la douleur, le dépit, le désarroi qui les réunit. Le procureur n'a eu de cesse de proclamer qu'il allait enquêter sur tous les crimes commis en Côte d'Ivoire depuis. Les populations de Côte d'Ivoire attendent de ne voir rien arriver. Aujourd'hui encore, Yoro, du fond de son village de Satama-Sokora, attend. Et il veut que votre cour prenne en compte la réalité des faits dont le procureur ne produit qu'une image brouillée. L'attente de Yoro est aussi celle de Tapé-Séri à Nyouboua. C'est aussi celle de Konakissi à Sakassou. C'est aussi celle de Vieille Jean-Gay à Brolequin. C'est aussi celle de ces centaines de parents qui attendent toujours sous les anacadiers du Nord le retour de leur bambin enlevé un matin de septembre 2002. La réalité des faits pour ce monde, c'est d'entendre dire que dans le drame ivoirien, chaque victime doit et sera écoutée. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, des cris percent les dortoirs des camps militaires de Boaké et de Korogo depuis 2002. Des cris montent de l'esplanade de l'hôtel Ivoire et des conteneurs de Korogo depuis 2004. Des puits et des champs de Naïbli et de Bangolo, des forêts de Baoulifla, de Gonaté, des savanes de Botro et de Séguéla, des tombes communes d'Abobo PK18, des palmeraies de Sassandra, des vergers de Bondoukou et de Madinani, de tous ces lieux et de bien d'autres encore, fut un murmure mélancolique qui susurre cette complainte. Nous attendons depuis 2002, 2003, 2004, 2011, 2012, et toujours encore nous attendons. Quand aurons-nous enfin ce strampotin pour pouvoir écrire et voir écrire cette histoire de Côte d'Ivoire dont nous sommes la trompe? La représentante des victimes entend-elle les gémissements sourds qui montent de la terre de Côte d'Ivoire? Les a-t-elle écoutés? A-t-elle compris ou comprend-elle qu'il s'agit d'un enchaînement d'événements terribles? Chaque victime est un individu qui a souffert. Et chaque victime doit pouvoir se faire entendre. Je voudrais m'arrêter ici pour rappeler que cette détresse reste inaudible dans le système de participation collective. Cette innovation avait pour but la rationalisation de la procédure et l'accélération des traitements des demandes. Malheureusement, elle fait offense aux victimes en ce qu'elle ne considère pas la souffrance personnelle qui perd sa subjectivité dans la notion abstraite du groupe. Elle ne permet pas aussi le traitement facile des demandes et rend difficile la recherche de la vérité, notamment pour la Cour. Il faut retenir que le récit collectif sur une représentation collective transporte les récits individuels. Il est donc important de souligner que les victimes sont et doivent rester autonomes et ne dépendent d'aucune autorité s'agissant de l'expression de leur douleur et du récit des faits qui sous-tendent leur préjudice. Sinon, ce serait infliger une nouvelle violence
à celles qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas pu s'exprimer ou pour faire valoir leurs droits. Madame la Présidente, honorable juge de cette haute juridiction, je voudrais terminer mon propos en rappelant que distinguer en Côte d'Ivoire entre les victimes ne peut que préparer des tragédies plus grandes et en rajouter au malheur de la Côte d'Ivoire que la tourmente ne quittera plus. Si personne ne veut entendre la vérité, la véritable histoire de la Côte d'Ivoire, il ne reste que votre coup pour l'écrire et retranscrire la voix des sans-voix qui ne cesse de fendre les nuits ivoiriennes depuis cette aube de septembre 2002. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, il ne reste plus que vous pour espérer que les enfants et les petits-enfants de Côte d'Ivoire continueront de chanter après leurs aïeux le travail de 1000 générations à construire ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est sa destinée. Puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la construire et moi je vivrai pour l'aimer. Je vous remercie de votre bienveillance, patience. Je vous remercie. Ceci conclut les déclarations d'ouverture. Nous allons maintenant procéder à la présentation du procureur sur les fonds de l'affaire. Il est prévu que cette présentation se déroule sur le reste de la session d'aujourd'hui, toute la journée de demain et la première session de vendredi. Vous pouvez commencer votre présentation. Merci, Madame la Présidente. Honorable juge, j'aimerais dans un premier temps vous mentionner qu'à la prochaine session, Madame la procureure devra s'absenter vu ses charges et que nous allons continuer avec la présentation donc de l'accusation. Avant de débuter les présentations, j'aimerais apporter certaines précisions sur le déroulement de la présentation de l'accusation. Alors, tel que nous l'avons mentionné hier, nous avons déposé le document amendé de notification des charges. Nous avons déposé également la liste amendée des éléments de preuve à charge. Et il est clair que les présentations qui vont suivre respectent ce que la Chambre a mentionné dans sa décision initiale 107 lorsque la première date de confirmation des charges avait été fixée, que l'accusation dans ses présentations à venir va s'appuyer sur ce qui est mentionné en anglais dans votre décision « the most representative items of evidence ». Il n'est donc pas de l'intention de l'accusation les plus représentatifs et de discuter tous et chacun des items sur la liste des éléments de preuve à charge, mais bien les éléments les plus représentatifs. Toutefois, il est clair que l'accusation s'appuie sur l'ensemble de ces éléments pour démontrer donc les motifs substantiels de croire. L'accusation va donc débuter par sa première présentation. M. Gilles Duterte va présenter les éléments de preuve sur le caractère généralisé et systématique des attaques. La deuxième présentation, qui devrait se terminer également aujourd'hui, portera sur le plan commun. Et ça sera toujours présenté par M. Duterte. Demain, l'accusation débutera et procédera à la présentation des quatre incidents. Je vais présenter les éléments ou les faits au regard de la marche sur la RTI. Par la suite,
Ma collègue Maria Berdenikova va présenter les éléments de preuve et revenir sur les faits concernant la marche des femmes du 3 mars 2011. Madame Christina Varga, va présenter et discuter des événements concernant le bombardement du marché d'Abobo du 17 mars. Enfin, Madame Florie Huck discutera des événements qui se sont produits dans la nuit du 11 au 12 avril à Yopougon. Enfin, l'accusation terminera ses présentations par les modes de responsabilité retenus et les faits s'y rattachant, ce qui formera une sorte de conclusion. Et cette présentation, donc, sera abordée par M. Reinhold Gallmetzer. Alors, avant de débuter et de passer la parole à M. Duterte, je demanderai la possibilité brève d'aller en huis clos partiel, c'est-à-dire seulement le son serait enlevé pour la galerie, pas obligé de baisser les rideaux, pour adresser ou discuter d'un point spécifique, à savoir l'identité des témoins de l'accusation ou des témoins de façon générale et la question des pseudonymes et de leur utilisation. Très bref, avec votre permission, s'il vous plaît. Maintenant. S'il vous plaît. Oui, c'est d'accord. On va passer à huis clos partiel pour quelques minutes.